Salut les viewers et les vieweuses, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour cette nouvelle vidéo sur Anthem, une vidéo qui fait suite à la vidéo sur le loot, la loot update. Comme vous pouvez le voir, on est passé en 1.0.2.02, ce qui veut dire que la loot update est passée, mais à un détail près, hein, pratiquement tout ce que je vous ai dit a été appliqué, à l'exception du fait de retirer le blanc et le vert à partir du niveau 30. Sous prétexte que ça méritait plus de tests pour vérifier comment ça se passait. Alors je trouve ça un peu... Pardon, c'est un peu du foutage de gueule. Dans le sens où la plupart... Enfin, le jeu de base, quand il est sorti, était pratiquement une version test. Hein, avec des choses qu'on pouvait nous-mêmes tester et vérifier. Après, c'est vrai que je peux comprendre le principe du... C'est vrai que si tu le balances, que c'est un peu pété et que tu l'enlèves, les gens vont dire « Ouais, mais c'était mieux avant !» Parce que oui, effectivement, tu tombais plus de choses avant. Mais bon... Je trouve ça un peu... Ils auraient même fait de pas le mettre dans l'annonce de la loot update et après de le préciser ensuite. Ça aurait été une bonne pub en plus qu'ils pensent comme ça. Malheureusement là en fait ils nous le disent en disant bah ouais, on va peut-être encore y réfléchir un peu quoi, c'est ça le truc. Donc je suis un peu déçu sur ça. Le reste de la mise à jour est fonctionnel, le rework entier du loot est fonctionnel à l'exception eh bien de ce petit problème de blanc et de vert au niveau 30. Voilà, donc je vous laisse là et je vous dis à plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yo!